Donc, ce soir, parler du cinéma iranien, parler plus généralement, je pense, de l'Iran. On ne fait pas de cinéma sans contexte, ni international, ni national. Avec nous, nos invités, d'abord Ahmad Salamatian. Ahmad est politologue, il a été élu en Iran dans les années 80, il est actuellement à Paris. Ça s'est peut-être pas très bien terminé, les élections en Iran pour toi. Il nous présentera essentiellement le contexte et se présentera lui-même un peu plus généralement. Philippe Ragel, à ma gauche, est maître de conférence à Toulouse 2, dans le département cinéma. Et ensuite, Alex et Jean-Philippe sont co-programmateurs sur le cinéma iranien. Et Jean-Philippe est allé en Iran à deux reprises. Ce sera donc un témoin vivant de ce qu'il a pu constater sur place. Voilà, si vous voulez, on va commencer dès maintenant. Vous vous présentez un petit peu plus en deux parties. La première, Ahmad fera essentiellement un panorama de ce qui se passe en Iran en 2010 et peut-être un peu un retour historique. Quelles sont les évolutions de la société iranienne aujourd'hui? Je pense qu'on a plus besoin de se rafraîchir là-dessus. Et Philippe présentera plus particulièrement l'aspect cinéma contemporain, production iranienne. Tu peux pas combien de sensibilité entre les deux, on vous donnera la parole. Si tu aurais les meilleurs résultats, une première partie sur le contexte avec des questions, une seconde partie sur le cinéma avec des questions aussi, et toutes les questions que vous voudrez. Voilà. Ahmad. Oui, mais c'est un... Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce festival qui me donne l'occasion de vous parler et pour essayer de résumer en un quart d'heure une présentation des particularités de ce fait spectaculaire et exceptionnel qui est l'Iran depuis trois décennies. Vous êtes d'accord avec moi que depuis trois décennies, l'Iran a rarement manqué première page, l'affiche. Quand même, c'est bizarre. Pourquoi? C'est une société qui a réussi à réunir les aspects les plus extraordinaires et contradictoires et spectaculaires du monde moderne et archaïque à la fois. C'est un pays qui, apparemment, comprend le régime politique du Shah qui a été tombé par une révolution populaire, ou comprend le régime politique qui l'a remplacé. C'est un pays avec des systèmes de représentation politique d'un autre temps. Que ce soit le Shah, quelqu'un qui se considérait comme l'homme, qui n'avait même pas besoin d'écouter son peuple, il lui suffisait d'écouter le roi d'il y a 2500 ans. N'oubliez pas, un des gestes les plus spectaculaires qu'appelait le Shah, c'était à Persepolis, il a réuni tous les chefs d'État, et là, à la place de s'adresser à ses chefs d'État, il s'est mis devant le tombeau d'un roi mort il y a 2500 ans, et il a dit: Cyrus, dors tranquille, je suis là. Et que, après ce monarque adulé, admiré comme moderne par une certaine partie de médias et de pouvoir politique en Occident, s'est effondré, son pouvoir s'est effondré à tel point qu'en pleurnichant, il a quitté son pays et il a cédé le pouvoir à un anti-Shah. Les Iraniens, ils considéraient que le ténèbre partait, la lumière rentrait, et cet anti-Shah, c'était un vieillard sorti d'un autre âge, sorti d'un autre monde, mais qui avait réussi quand même à devenir à un moment donné le moyen d'expression d'une société qui voulait changement. En regardant
les documents de la fin du char maintenant 30 ans après au pouvoir, si Khomeini est venu à Paris, c'est pas parce que le gouvernement français était très accueillant à l'égard de Khomeini. C'est pas parce que le Shah avait demandé de Saddam Hussein qui expulse Khomeini. Donc, le Shah, le jour où Khomeini est venu en France parce qu'il n'avait pas besoin de visa, était aux anges et ses services d'analyse politique en disant, tiens, un mollah qui va rester pendant quelques jours à Paris, plus aucun religieux en Iran ne le croira pas. Et Khomeini lui-même ne voulait pas venir rester à Paris. Parce qu'en disant, si je commence à avoir une réputation de mollah parisien, plus aucun fidèle ne me suivra. Mais les choses avaient changé. Même le fin fond de croyants iraniens, sortis récemment de campagne, préféraient un mollah qui avait humecté l'air de Paris à un mollah qui avait son passé, son temps uniquement dans les ruelles de Rome ou de Nadia. Ça, c'est des changements fondamentaux et profonds des sociétés, que même leur représentation imaginaire de pouvoir change. Ça ne change pas que Khomeini s'est installé totalement dans le moule du chat. Il est devenu le tout-puissant. De même manière. Mais la société a continué son cheminement. Et surtout, je veux attirer votre attention sur ça. On ne peut pas comprendre le cinéma iranien sans avoir quelques éléments des mutations de la société iranienne. La société iranienne, c'est à la fois une société ancienne, avec une mémoire collective exceptionnelle. Pour différentes raisons, c'est une société insulaire. Quand je dis insulaire, c'est-à-dire les Iraniens sont persanophones dans un monde aux alentours arabophone ou turcophone. Ils ont chiites, une religion particulière de l'islam, dans un monde tout autour qui est sunnite. Et il y a d'autres particularités d'exception de cette manière-là. C'est un pays qui vit essentiellement avec une mémoire collective vivante. C'est un pays où le monument littéraire le plus important, c'est un épopée qui est une transcription de la tradition orale. C'est un pays qui, encore aujourd'hui, célèbre le martyr il y a 13 siècles d'un saint, que les observateurs qui vont pendant les jours de célébration dans ce pays, ils posent de temps en temps cette question naïvement. Est-ce que les gens viennent d'avoir l'information qu'il y a 13 siècles, quelqu'un a été tué? C'est-à-dire la société vit une sorte de théâtre collectif. D'ailleurs, pour tous les observateurs occidentaux qui, 19e siècle, sont allés en Iran, ce théâtre collectif était quelque chose de fantastique, où la société, pendant quelques jours, joue comme une sorte de drame collectif, mais on joue comme une manière d'exorciser quelque chose de plus profond dans la société. Dans cette société, avec ses modes de présentation, il y a eu un hasard depuis un siècle, on a découvert un puits de pétrole. Et c'est devenu une société en plus rentière. À tel point rentière que si en France, la Révolution française a été faite parce que Louis XVI avait besoin de lever des impôts, et le tiers état, une fois réuni, il a dit, je suis là, je prends la parole. En Iran, le pétrole était tellement important, ses revenus, que aussi bien Sa Majesté le Shah Khomeini avait assuré par le robinet de pétrole tous les besoins de l'État. Donc il n'avait même plus besoin du peuple. Il pouvait se permettre d'imaginer à la place du peuple. Mais cette société, avec cet imaginaire historique, malgré la rente pétrolière et peut-être la combinaison de ces deux-là, a traversé une période de 40 ans surtout, où il y a eu 5 grandes mutations qui ont changé de fond en compte cette société. Et ces mutations
ont fait de l'Iran une sorte de laboratoire accéléré, comme un film qu'on passe à accélérer, à mon avis, de ce qui est en train de se passer et va se passer dans pas mal d'autres pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Soud. Quelles sont ces mutations? Première mutation, c'est une mutation d'éducation. La société iranienne, il y a 40 ans, comptait seulement 35% d'alphabétisés. Aujourd'hui, cette société est alphabétisée à 97%. Les raisons, je n'ai pas le temps de dire pourquoi. Une partie, c'est l'argent du pétrole qui a été injecté dans une société où, et quand on alphabétise dans une société, les filles aussi se sont alphabétisées. Pour vous donner un seul élément de comparaison, l'Iran, les femmes sont alphabétisées à plus de 86%, au Maroc à peu près 35 à 36%. En Iran, les filles constitue aujourd'hui 60% des étudiants de l'université par rapport aux garçons. Ils ont plus. Et c'est un pays où il y a les restrictions les plus importantes légalement et par rapport au pouvoir de l'État contre les femmes. Il y a un autre, ça c'est une autre mutation, c'est une mutation que j'appelle matrimoniale. Dans le système iranien, à l'époque du Shah qui était moderne, l'âge légal de mariage, il avait fait une réforme légale, il l'avait imposé 15 ans. Mais il avait fait une exception, les filles de 13 ans pouvaient se marier à condition qu'ils produisent un certificat de croissance. Et les bureaux qui donnaient ces certificats de croissance étaient les bureaux les plus fréquenter des familles venaient, je m'excuse, mettre du coton dans les corsages des jeunes filles pour dire, voyez-vous, il est suffisamment mûr pour se marier. Les mollahs sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est 15 ans, c'est contraire à l'essence même de Sharia, les règles islamiques. Une fille peut se marier à 9 ans, c'est presque pédophilie, mais dans les religions, on peut trouver de tout. Alors, donc, on a dit, une fille de 9 ans peut se marier. La pratique, ils ont dit, mais quand même, entre 9 ans et 13 ans, il faut qu'ils produisent des documents d'après lesquels il est suffisamment mûr, sinon ils ne vont pas se marier. Mais l'un et l'autre étaient complètement à côté de la plaque de la réalité et statistique. À l'année de la révolution iranienne, il y a 30 ans, où l'âge de mariage des jeunes filles légalement était 15 ans, l'âge et statistique moyenne de mariage des jeunes filles était 13 ans. Aujourd'hui, trois décennies après la République islamique qui a fait l'âge de 9 ans, l'âge moyen de mariage des jeunes filles est statistiquement, c'est entre 26 et 27 ans. Sur le plan patrimonial, c'est la même chose. Le patrimoine iranien qui était la terre et l'acquisition et l'appropriation de la terre dans une société avec un système agricole particulier où la terre a beaucoup plus d'importance que dans les sociétés où l'arrosage ça se fait d'une manière naturelle. Aujourd'hui, l'agriculture, même dans les villages les plus lointains, on importe du riz thaïlandais. La population, le village a été expulsé par la violence économique vers les villes. Il est devenu citadin. Il en est résulté que le patrimoine essentiel aujourd'hui, c'est de l'argent spéculatif, urbain. La composition entre ville et village en Iran a complètement changé. Aujourd'hui, 66% de la population iranienne est urbanisée. Il y a une autre mutation, c'est la transition démographique. À la veille de la révolution iranienne, il y a 30 ans, le taux de la natalité en Iran, croissance démographique, était à peu près 3,8. Aujourd'hui, c'est 1,6.
les démographes disent c'est un miracle, c'est pas possible. Mais c'est possible quand on met les ingrédients d'alphabétisation, urbanisation et un système économique où il y a l'argent qui est injecté de cette manière-là dans une société historiquement constituée avec une conscience collective très développée, les mutations deviennent énormes. Et croyez-moi, là où il y a des mutations sociales, des mutations économiques, des mutations démographiques, matrimoniales, patrimoniales, il y aura nécessairement des mutations politiques. Et il y aura nécessairement des mutations culturelles. Bien que culture et la politique, contrairement aux apparences qui sont des domaines de soft et de mou, on croit qu'ils changent plus rapidement, ils sont beaucoup plus durs que les autres données sociales. Ils changent beaucoup plus lentement. Changement, comme je dis, les changements en profondeur. Aujourd'hui, il en est résulté que vous avez en Iran une société en mutation, presque moderne, mais moderne d'une manière désorganisée. La ville de Téhéran, c'est une mégapole où la ville de Paris, intramuros, par rapport à Téhéran, c'est un village calme. J'exagère pas. J'ai eu l'occasion, après 26 ans, d'aller en Iran de nouveau, et à Téhéran, où j'avais fait mes études, j'étais perdu. Un mégapole désorganisé. Il n'y a pas 19 millions de voyages de métro par jour, il y en a seulement 9 millions. L'étendue de la ville est trois fois que l'ensemble de la région parisienne. Et c'est une ville qui a presque 16 millions d'habitants dans une ville. Téhéran est comme ça. La société iranienne a subi ces mutations-là, son pouvoir est archaïque. Donc il en résulte une certaine forme d'anachronisme entre le pouvoir politique et la réalité sociétale. C'est pour ça qu'on est étonné. Khomeini, avec sa barbe, est venu sous le pommier à neuf le château. Ses cassettes, pour la première fois dans cette époque de l'histoire, ont fait la révolution iranienne. La révolution iranienne, moi je l'appelle pas seulement la révolution de Saint-Thomas avec la barbe blanche, c'est la révolution de la cassette aussi. Vous savez comment c'était les cassettes? Khomeini faisait ses discours ici, anti-Shah. La Savak, la police politique iranienne, avait fait de la sorte que toute bande de téléphone qui dépassait 4 minutes par le système de tirage, on pouvait contrôler les téléphones. Il y avait des appareils de copie de chez Sony qui accéléraient l'enregistrement de 20 minutes en 4 minutes, 5 minutes. Au téléphone, on mettait, et là-bas, il y avait des appareils qu'il mettait de nouveau. Et donc, de cette manière-là, les discours de Khomeini étaient propagés. Tous les boutiques de vente de cassettes qui jusqu'à là vendaient du tambour Z, ils ont vu que les gens achètent plus les discours de Khomeini. Un chef des services de contre-espionnage français, à l'époque, il a fait un entretien avec Mme Bocrin, il invente une histoire incroyable en disant que le discours de Khomeini a été enregistré à Paris, a été envoyé par la valise diplomatique au Prague. Au Prague, a été diffusé par la radio. À ce moment-là, les Iraniens, quand j'ai entendu là, j'ai dit, oh là là, quand les hommes qui sont chargés d'analyser les situations, ils ne vont pas comprendre quelle est la vitesse de changement de la technologie, ils sont capables de faire des bêtises les plus incroyables. Il y a 30 ans, c'était la cassette et l'image. L'année dernière, on a vu un autre Iran qui est encore à la fois souffre d'un régime politique archaïque, mais il est à la pointe de la modernité informationnelle et de la révolution informationnelle du monde actuel. YouTube. Quand je dis YouTube, vous savez, le pouvoir iranien a fermé, a réduit la vitesse de l'Internet. Il a interdit l'Iran à tous les journalistes pour ne pas prendre des photos. En 3 semaines, la population de Téhéran s'est transformée en cinéaste producteur de documentaires. Le nombre des gens qui ont fait des documentaires et qui l'ont balancé sur
le YouTube, pendant l'année de l'événement iranien, ça dépasse des centaines de milliers de personnes. On voit rarement dans le monde un endroit où il y a une telle tentation de faire des documentaires. Alors ça, vous êtes dans une société où une étude de Harvard récemment montre, bien que le coût de connexion à l'Internet en Iran par kilobyte de données transmises est 140 fois plus cher qu'en France. Bien que le pouvoir d'achat des Iraniens, le revenu par tête d'habitant, si je me base, est un cinquième de revenu par tête d'habitant des Français. Aujourd'hui, l'Iran dans le monde est le deuxième pays où on fait de la connexion d'Internet. Les autorités de l'État et de renseignement eux-mêmes, ils disent que nous avons 28 à 33 millions d'internautes en Iran. Et on a fait une analyse détaillée sur quel est le contenu. En France, on fait de l'Internet, mais l'essentiel, c'est de passer des recettes. En Iran, plus de 40% des données transmises au cours de l'année dernière, c'était des données politiques. Alors, je résume, j'ai parlé trop, vous êtes dans une société avec des mutations incroyables qui montrent bien que la technologie, ce n'est plus le dada, le bien préféré de quelques sociétés privilégiées. Et que la technologie, en fonction du besoin que ça enclenche, est une arme à double tranchant. Ça peut être un moyen à la fois par le pouvoir de contrôler la société, mais ça peut être aussi un moyen par la société de lutter contre le pouvoir. Et que dans le monde où nous allons, on ne peut plus imposer la censure. Le moyen le plus important de pouvoir autocratique dans le monde était la censure. Aujourd'hui, la censure, ce n'est plus possible. Et je finis avec une dernière chose. Chaque société change et arrive à avoir ses objectifs en partie, surtout si la société est gouvernée par le pouvoir despotique, par un dynamisme social qui se nourrit par l'opposition à l'égard du pouvoir. Ce n'est pas sans raison que les sociétés de l'Europe de l'Est ont engendré des jeunesses et des intellectuels les plus pro-occidentaux. Pour nous qui avons vécu dans les pays de l'Europe occidentale, et de temps en temps, étonnant, qu'est-ce qu'ils font ces intellectuels tchèques? Pourquoi ils sont tellement pro-américains? Les sociétés qui s'est enfermées dans un discours bigot, archaïque, anachronique, religieux, a réussi à transformer la logique de dynamique sociale dans une logique d'émancipation de pouvoirs politiques qui sont réclamés religieux. Attention, je ne dis pas que l'Iran est à la veille de la sortie de la religion, pas du tout. Le pouvoir iranien a transformé la religion en une idéologie de pouvoir. Il a instrumentalisé à fond la religion au service de son pouvoir. La société rejette maintenant ça. Et je finis, la même logique existe pour les pays où aujourd'hui on soutient les pouvoirs autoritaires au nom de la lutte anti-islamique. Il engendre beaucoup plus de dynamisme social qui croirait à l'utopie islamiste comme une utopie libératrice que les Iraniens qui ont vécu pendant 30 ans dans leur chair et dans leur os les méfaits d'une utopie religieuse qui prétendait être libératrice. Merci de votre attention. Une petite dizaine de questions, si vous voulez, sur les conditions. Alors, sur l'agriculture iranienne, alors,
devant, ils se trouvent dans une situation lamentable. La population, nécessairement par nécessité économique, a été chassée vers les villes. En plus, la concurrence des produits importés était telle, comme vous voyez, vous, si vous avez voyagé en Iran. Aujourd'hui, même l'essence de rose, qui est le parfum de toutes les pâtisseries iraniennes, est importée de Chine. Et ça, c'est un des méfaits de l'argent du pétrole. La rente pétrolière dans les pays pétrolières a anéanti l'agriculture. Et je dis jusqu'au moment où les pays pétrolières sont devenus opiomanes du pétrole, ils ne pourront pas refaire leur agriculture. Donc, ces agriculteurs ont été chassés, ils sont venus en ville. Première génération de ces agriculteurs, ils venaient avec leur bagage culturel de village. C'est pourquoi Khomeini, comme un chef de village, a pris la possession du pays. Mais aujourd'hui, ils sont troisième génération. Troisième génération a changé. Comme vous disiez tout à l'heure, si la première génération de l'époque, c'était le vieux de village, même si le chat voulait faire une école, il s'opposait à l'école et à ce moment-là, il ne faisait pas l'école. Aujourd'hui, et ce vieux, il prenait son information sur la prêche de Mollah. Aujourd'hui, même le Mollah regarde sur le clavier de sa fille et de son fils qui lui apporte de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Une des expériences les plus incroyables que j'ai eues dans ma vie, il y avait un Mollah en Iran qui est connu, célèbre, qui s'appelle Khalkhali, qui était fouquier de la révolution iranienne, il voulait tuer. Pendant un certain temps, il avait décidé de m'arrêter, de me tuer, j'étais en clandestinité, il a fait ses mémoires. Je suis sûr que si j'arrivais à portée de sa main, il m'en restait plus qu'un. Et il y a un an, plus moins qu'un an, dans un café parisien, j'étais en face d'une jeune fille qui fait des études en Hollande, et le thème de ses études, c'est sur l'émancipation des femmes iraniennes, et elle était en train de me raconter sa thèse, tout ça, et à un moment donné, elle m'a dit, vous savez qui je suis vraiment désolé de... Je savais que c'était la fille de l'ayatollah Khalkhali. J'ai dit, le miracle de l'Iran, c'est pas ton père. La malédiction de l'Iran, le miracle de l'Iran, pour moi, c'est toi. Une fille qui est née dans une famille de Mullah et qui aujourd'hui vient de faire des articles et des études sur son expérience personnelle même. Il dit, dans ma maison, qui était la maison de la Mullah de Rome, on m'a posé une voile, c'est parce que vous avez parlé de petits fichus et de grands adores. On m'a posé une voile, non pas en fonction de ma charme et mon attraction, mais en fonction de l'âge et de respect qu'on devait au vieux qui rentrait à la maison. Plus le ayatollah qui venait à la maison était vieux, plus il était âgé, plus on me demandait de me couvrir. Si c'était un jeune homme là, je pouvais même pas m'arrêter. Et elle en conclut que ce problème, c'était un problème de contrôle sociétal dans une société patriarcale. Et que cette société patriarcale utilisait le tchador comme un moyen de contrôle social. Et croyez-moi que c'est beaucoup plus difficile pour cette société. Si la fille de Khalkhali a fait des études, a passé son baccalauréat, est allée à l'université, a fait des études de journalisme, a fait des études de sociologie, et après il a obtenu une bourse pour venir faire ses études en Europe. Deuxième question, vous me dites, Mariam Rajavi, vous avez vous, voyez-vous, la société iranienne à un moment donné rêvait à des carcans idéologiques, comme utopie libérale. Une série de groupes de gauche iraniens dans les années 70 ont cru, par un mimétisme, les idéologies forgées par les pays de l'Est, de pouvoir faire une utopie attractive. Moi, je les appelle les musulmans léninistes et les léninistes musulmans, à des degrés différents. Monsieur Razali et son équipe, c'était l'exemple même des léninistes musulmans. Mimétisme complètement par rapport à ce qui était le discours politique de l'Union soviétique des années 30,
à laquelle on ajoutait une petite sauce de coco. Les Iraniens, aujourd'hui, ont expérimenté à la fois l'idéologie et à la fois la sauce coranique qu'on ajoute à l'idéologie. Donc, c'est une société plurielle que vous avez en Iran. C'est une société où l'individu est né. L'enfant n'écoute plus son père. Oui, on va parler tout à l'heure du cinéma. 30 années de cinéma iranien, pour moi, c'est entre la vache, et spécialement le cinéma religieux, et le cercle. D'accord ? Ça montre bien quel est le bouleversement de cette société. Cette société ne rêve absolument pas à une dame pour incarner une dame qui a eu son sa position parce qu'elle s'est mariée avec un autre homme. Non. C'est vraiment une société. Je suis allé en Iran il y a 3 ans. Donc en Iran, pour savoir si une famille est vraiment traditionnelle ou moderne, il suffit de regarder s'ils mangent ensemble autour d'une nappe ou autour d'une table. J'ai fait l'expérience autour de la nappe, autour de la table. Et l'expérience que je faisais, je me conseille. En général, en Iran, on ne fait pas de tour de table, aussi bien autour de table, aussi bien qu'autour de la nappe, un homme ou une femme. Les femmes se mettent d'un côté, les hommes se mettent à l'autre côté. Le modernisme iranien, même chez les plus modernes, n'est pas encore passé cette clivage-là. Et je lançais, qu'est-ce que c'est les dernières films que vous avez vus? Toujours c'était les femmes qui prenaient la parole et les hommes regardaient à la vie. Et je me suis rendu compte que les femmes dominent déjà culturellement la société iranienne par rapport à ça. Je n'avais pas fait encore une étude comme libraire qu'aujourd'hui le nombre des romans écrits par les femmes dépasse largement les romans écrits par les hommes. Et je vous dis seulement, une autre expérience que j'ai eue à Paris il y a quelques années, mairie de Paris avait décidé pour aider les femmes iraniennes de faire un festival de cinéma sur les femmes réalisatrices iraniennes. Le conseiller culturel de la mairie de Paris est venu me voir en disant, mais est-ce qu'on trouvera suffisamment de réalisatrices? J'ai dit, dis-moi quels sont tes critères. Il a parlé avec le conseil de cinéma qu'il avait, ils ont trouvé comme critère que la personne ait déjà fait 3 courts-métrages et au moins 2 longs-métrages qui sont passés à l'écran. Il est allé en Iran et il est revenu avec une liste de 35 femmes qui avaient déjà fait ça. Et il était tout étonné en disant, mais je ne suis pas sûr qu'à Paris je peux trouver aussi autant de réalisatrices. D'ailleurs, c'était à cette occasion de ce festival que Chiri Lebali a été invité la première fois à Paris. Et c'est à cette occasion, au même moment, qu'on lui a cerné le prix Nobel. Alors, donc, je deviens, comment est-ce que ce pouvoir iranien résiste? Voyez-vous, le pouvoir iranien, à la fois, c'est une révolution sociale aussi. Il y a des couches sociales qui étaient considérées comme des sujets qui ont pris le pouvoir. Ici, Ahmadinejad, c'est la représentante. Ahmadinejad, son père était un marchand ferrant d'un village de Semnan. Le fils de marchand ferrant qui est venu en vie et qui est devenu président de la République. Quand même, c'est quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Il s'est enfermé dans l'archaïsme d'un discours idéologique religieux. Et si Ahmadinejad, à son première élection présidentielle, ça c'est comme analyste de données électorales, sociologiques, politiques que je vous dis, il avait une vote de départ de 7 millions de votants sur un corps électoral de 23 millions. Et Ahmadinejad a réussi par l'opposition à Rafsanjani qui montrait beaucoup plus l'aspect archaïque de l'État que le jeune fils de Bourgeron qui voulait prendre sa revanche, il a réussi à transformer son vote de 7 millions à 13 millions. Et il a gagné les élections avec 13 millions de votants. Dans ces élections aussi, il y avait à peu près 15 à 20% de la part de la fraude. Mais ce n'est pas important. Le plus important, c'était ça. Mais dans l'élection qui vient de se passer, M. Ahmadinejad avait déjà mangé son pain blanc des promesses qu'il faisait à la population. Il
il avait toujours à peu près sur un corps électoral de 40 millions qui a voté à peu près, de 8 millions de votants qui dépendent beaucoup plus du clientélisme des associations d'entraide religieuse. Et une partie aussi du même fonds de vote qui lui restait du populisme. Et c'est un excellent populisme. Vous savez, en Iran, vous, si vous permettez, les Iraniens ont l'habitude de dire Ahmadinejad, Sarkozy, Nejad. Enfin, je passe. Je ferme la parenthèse, c'est pas comparable. Mais M. Ahmadinejad, pour cette élection-là, est passé par la fraude totale, massive. Croyez-moi, si Ahmadinejad avait encore le besoin de soutien populaire, les quatre personnes qui ont été candidats aux élections présidentielles, tous les quatre, c'était des fils de la révolution iranienne. Ayatollah Khamenei, lui-même, à la veille des élections, il disait qu'ils sont des fils fidèles de cette révolution. Comment ça se fait qu'en une année de contestation électorale, on présente trois de ces fils fidèles comme des agents ennemis aux ordres des Américains et des Israéliens. Et à l'anniversaire des manifestations de contestation de l'année dernière, Moussavi et les autres ont demandé uniquement une chose. Donnez-nous la possibilité de faire une manifestation silencieuse, sans bombes, sans mots d'ordre. Bientôt. Et moi, je suis convaincu que si demain à Téhéran on donne une autorisation de manifestation silencieuse, plus de 6 millions de Téhéranais seront dans la rue silencieux et que leur silence ne vaut pas dire qu'ils sont partisans de qui et qui, mais ils vont dire au moins une chose, qu'ils en ont marre du pouvoir religieux. Et le pouvoir religieux est déjà en train de céder la place en son sein propre à des mafios militaro-sécuritaires. L'Ayatollah Khamenei, sous son turban, je l'ai écrit il y a un an et demi dans le monde diplomatique, je le répète, il y a le képi qui pointe. Nous ne nous trompons pas. L'ère et le temps de mystification par l'utopie religieuse pour contrôler le conflit social et politique en Iran est déjà révolu. Alors, c'est là que j'enchaîne. L'autre, c'est la résistance de la population. Ça continue. Ça ne s'arrête pas. Ça a plus que souffle. Mais attention. On n'est absolument pas en Iran en face d'un mouvement insurrectionnel. On n'est absolument pas dans un mouvement en face d'un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement civique, qui, par persévérance, nous ne sommes pas en Iran dans un ring de boxe. Nous sommes dans un course de marathon. Parce que c'est un véritable changement qui est en cours. Ce n'est pas un problème de conspiration lanquiste qui est en cours. Et je suis convaincu qu'il est suffisamment fort que malgré la répression spectaculaire, je dis bien spectaculaire parce qu'il n'a pas réussi à imposer la peur. Aujourd'hui, les Iraniens ne sont pas paralysés par la peur. Ils sont paralysés par l'inquiétude. Et je finis la quatrième, dernière question. L'inquiétude, vous savez, c'est quoi? Que l'évolution iranienne dérape et que le problème iranien se militarise. La main tendue de Obama a déstabilisé le régime de Mullah autant que le point ferme de président Bush leur a fait cadeau de l'Irak et de l'Afghanistan. Je ne veux pas rentrer dans les détails géopolitiques. Au jour d'aujourd'hui, croyez-moi, ce mouvement civique est suffisamment fort à condition que, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais quand même, je suis investi dans l'espoir, le monde soit suffisamment capable de contrôler les logiques géopolitiques
qui dépasse complètement l'Iran et le mouvement politique iranien et dont leurs enjeux sont totalement autre chose. Le prétexte iranien permet dans un monde qui va vers monde multipolaire que chacun essaie de marquer son terrain. Et le pouvoir iranien là-dessus aussi, une partie de ce pouvoir qui est accoulé au mur est demandeur de ça. Parce qu'il sait très bien que dans un chaos militarisé de la guerre dans cette région, dont les dimensions vont dépasser complètement ce qui existe en Irak et en Afghanistan. Ne croyez pas que je crois que les Américains ont eu les moyens de débarquer en Iran. Les Américains ils vont montrer le plafond de leurs capacités en Irak et en Afghanistan. Mais il y a des fous qui peuvent faire péter des pétards et qui imposaient d'abord au monde un pétrole à 200 euros baril, je ne sais pas si l'économie mondiale a besoin de ça, et à transformer les vallées des montagnes iraniennes et les ruelles des villes iraniennes en des dimensions 10 fois plus importantes de ce qui se passe autour de Kaboul, de Jalalabad, ou Bagdad et Bassorah. Mais malheureusement, ça, c'est un phénomène dont le contrôle n'appartient pas aux Iraniens. Ce que je sais, si les Iraniens, il y a 30 ans, étaient un pays mobilisé par la passion de martyr, aujourd'hui, c'est un pays qui cherche la vie. Et tous les pays qui cherchent la vie, ils veulent la paix. Merci.